Voici Manon. Manon a 26 ans. Elle vient de retrouver son cousin Tom. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps et elle a plein de choses à lui raconter. Il y a quelques années, Manon intégrait le service marketing d'une société d'assurance en tant que responsable de l'expérience client. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tom est étonné. Manon adorait son métier. Elle le rassure. Comme 9 salariés sur 10 dans le secteur de l'assurance, Manon a pu bénéficier d'une formation chaque année depuis son embauche. Elle, qui adore être polyvalente, elle a décidé d'évoluer en tant que UX designer. UX designer? Mais qu'est-ce que c'est? L'UX designer a la charge de l'expérience utilisateur. Manon sera donc chargée de concevoir une appli sur mobile. Pour cela, elle devra prendre en compte les attentes et les besoins des utilisateurs et veiller à la facilité de navigation et la qualité des contenus. Tom s'écrie : Tu étais donc chargé de l'expérience client et maintenant de l'expérience utilisateur? C'est super! Exactement, Tom. Tu pourras toi aussi très vite avoir l'opportunité de découvrir de nouveaux métiers au cours de ta formation et peut-être choisir de changer de poste ou de métier comme un salarié sur 6 de l'assurance. L'assurance, on y vient par hasard, mais on y reste par choix. Les métiers de l'assurance recrutent. Renseignez-vous sur métiers-assurance.org et j'assuremonfutur.fr.